On se retrouve aujourd'hui pour une séance 100% gainage. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Visiblement, Charlie n'avait pas envie de faire la séance avec nous. Cet entraînement est très intéressant parce qu'on va renforcer et tonifier toute la ceinture abdominale. Le gainage est essentiel, en particulier pour éviter les problèmes de dos. Un petit coucou à mes abonnés fidèles et si vous êtes nouvelle parmi nous, alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche, elle vous tient informée de la sortie de chacune des vidéos. J'ai la chance d'être invitée dans un super endroit et je profite de l'occasion pour vous dire que si vous aussi vous avez une piscine à la maison, alors dans la description de cette vidéo juste en dessous, je vous propose un programme super complet qui se fait dans l'eau sans jamais mettre la tête dans l'eau et tout ça pour faire un renforcement musculaire complet. La séance d'aujourd'hui sera composée de 30 secondes de travail suivie de 15 secondes de récupération. Et oui, le gainage c'est assez difficile et pendant cette récupération, je vous montre l'exercice suivant. Si vous aimez mes exercices, alors partagez tout autour de vous. Cette chaîne va décoller et ce sera grâce à vous. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce tout premier exercice, on va faire une planche simple. On appuie sur les coudes et sur les orteils. On essaye de garder le dos bien droit. En position de planche, on ne doit pas creuser le bas du dos. Prenez vos 15 premières secondes de récupération. Relâchez bien votre dos et respirez. Allez, c'est parti, toujours en position de planche. Cette fois-ci, vous allez relever et maintenir votre jambe gauche pendant 15 secondes. Allez, on change de côté. Gardez toujours votre dos le plus droit possible. Accrochez-vous, ce sont des exercices vraiment pas faciles. C'est très très bien. Allez, soufflez bien, 15 secondes de récupération avant d'enchaîner sur la même chose mais de manière dynamique. Allez, c'est parti, on va relever la jambe droite puis la jambe gauche. Vous devez bien sentir le travail au niveau de votre bas du dos ainsi que sur les fesses et l'arrière des jambes. Avec une petite visite de Charlie, elle adore le gainage. Secondes pour récupérer, pour bien souffler et pour détendre votre dos. Allez, on repart en position de planche, cette fois-ci en appui sur les mains, les bras tendus et le dos toujours aussi droit. Serrez bien les fesses. Secondes de récupération. Profitez vraiment de vous détendre pendant ce repos. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, la jambe gauche est relevée de manière fixe, toujours en appui sur les mains. Et ceci pendant 15 secondes. Allez, accrochez-vous. Allez, on change de jambe, jambe droite relevée. C'est très très bien ce que vous faites. Quinze secondes de récupération, votre dos le mérite de plus en plus. Profitez de bien respirer avec le ventre, ça va vous aider à détendre le bas du dos.
Allez, on y va, toujours en appui sur les mains, mais cette fois-ci de manière dynamique, une jambe après l'autre, vous relevez. Je sais que c'est un travail très difficile et que 30 secondes, c'est long. Accrochez-vous. Si vous ressentez des difficultés, faites des petites pauses et rejoignez-moi le plus vite possible. Super, soufflez bien pendant vos 15 secondes. Je sais que votre corps commence à être un petit peu fatigué, mais c'est le but du travail. Je vous garantis que ça va être efficace. Allez, on se remet en appui sur le coude et on fait du gainage sur le côté. Une jambe sur l'autre, vous relevez le bassin et vous maintenez cette position de planche. De nouveau, 30 secondes, c'est long, accrochez-vous. C'est génial, profitez de vos 15 secondes de repos. Et pendant ce temps, tournez-vous, on va changer de côté. Allez, c'est parti pour le deuxième côté. On appuie sur le coude et sur les pieds, une jambe sur l'autre et on maintient la position. Charlie se régale de venir m'embêter pendant les séances. Ça, c'est sûr qu'avec elle, le temps passe beaucoup plus vite. Allez, prenez vos 15 secondes de récupération. Soufflez bien, respirez avec le ventre. Allez, c'est parti pour le même exercice, simplement en appui sur le bras qui reste bien tendu. On augmente la difficulté. Allez, accrochez-vous, gardez votre équilibre grâce à votre ceinture abdominale qui est bien serrée. Prenez vos 15 secondes de récupération et pendant ce temps, changez de côté. Allez, c'est parti pour le deuxième côté. On appuie sur la main, une jambe sur l'autre et on tient cette position de planche. C'est génial. Allez, prenez vos 15 secondes de repos. Respirez, soufflez bien. Les temps de repos sont hyper indispensables afin de tenir pendant toute la séance. Toujours en appui sur la main et vous allez remonter le bassin de manière dynamique pendant 15 secondes. Je vous laisse quelques secondes pour changer de côté. Allez, c'est parti pendant les 15 prochaines secondes sur l'autre côté. Récupérez, soufflez. Je sais que ça commence à être très difficile, mais je vous félicite. Allez, accrochez-vous. Reviens en position de planche en appui sur les mains et cette fois-ci, de manière fixe, vous allez relever le bras gauche. Il n'y a plus rien qui bouge. Votre dos reste bien droit et votre bras est dans le prolongement de ce dos. Allez, accrochez-vous. C'est très très bien ce que vous faites.
génial. Soufflez bien, respirez. Et comme vous pouvez le voir, on va changer de bras. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, vous relevez le bras droit. Ce travail est très intéressant, bien sûr, pour le gainage, mais aussi pour vos bras, pour vos épaules. Tout le corps en profite. Super, récupérez, soufflez bien. Le prochain exercice va être dynamique. Allez, c'est parti. On appuie sur les mains et vous allez relever un bras après l'autre. Allez, accrochez-vous, je sais que c'est difficile. Votre ceinture abdominale est hyper sollicitée. Plus la fatigue, allez, accrochez-vous. C'est très très bien, vous avez bien mérité un petit peu d'étirement. Mettez-vous en position assise sur les genoux et vous allez réaliser comme une prière pour bien étirer votre bas du dos. Maintenez une respiration lente et profonde et surtout avec le ventre pour bien aller chercher les muscles du bas du dos. C'est génial, en tout cas bravo pour cette magnifique séance, c'est très très bien. Je vous félicite encore une fois. Super séance, bravo. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé l'entraînement et si vous avez senti tout le travail sur votre ceinture abdominale. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur cette séance qui complétera parfaitement bien celle qu'on vient de faire. Et si c'est la fin pour aujourd'hui, n'oubliez pas de faire vos étirements quotidiens. Abonnez-vous, partagez et surtout restez belle et rebelle. Je vous dis à très vite, bye bye.